On est parti, salut tout le monde, bienvenue pour le chapitre Pandora, 3 j'ai de les Resident infos que Evil tu voulais 4. sur Louis Serra. Apparemment, il a travaillé comme chercheur pour Umbrella. Umbrella? J'aurais dû le laisser pourrir dans ce sac. Tiens, tiens. Je t'envoie les détails. Regarde, mais Eglon reste la priorité. Bien reçu. Je me dirige vers l'église. Condor 1, terminé. Tiens, tiens. Rapport sur Louis Serra. Louis Serra Navarro, 28 ans, sexe masculin. Le nom de Serra apparaît publiquement pour la première fois dans les registres d'étudiants de l'université. Aucun certificat de naissance ou autre document le mentionnant n'a pu être découvert. Après avoir fini ses études, il a rejoint la division de recherche d'Umbrella, où il s'est rapidement fait un nom auprès de ses pairs. Il a participé au développement de plusieurs médicaments courants en vente libre et qui ont été abandonnés avant même d'être commercialisés. Voici la liste en pièces jointes. Quelques années plus tard, Serra a démissionné d'Umbrella avant de disparaître de la circulation. Suite à l'accident de Raccoon City, les forces de l'ordre et le gouvernement se sont efforcés de retrouver toutes les personnes liées de près ou de loin à Umbrella, mais malgré des recherches étendues, ils ne sont pas parvenus à le localiser. Vu la façon dont il leur a échappé, nous sommes persuadés que Serra s'est donné beaucoup de mal pour disparaître. Notre manuscrit donne des médicaments courants en vente libre. Tu crois vraiment qu'Umbrella mettrait l'un de ses meilleurs chercheurs sur des antiacides ou des crèmes de beauté? Ah, j'en sais rien. Il y a une échelle rétractable dans le coin. Allez à l'église. Celui-là où l'échelle rétractable? D'accord, attends. Peut-être un truc sur le toit alors. Bah écoute. Ok, il nous faudra venir avec quelqu'un plus tard ici. Ok, j'ai compris. Bon, là, on est pas mal hein, avec tous les objets qu'on a. On enregistre. Bon, ça c'est la photo qu'on a eu tout à l'heure. Autre niveau mule, c'est pas que c'est un peu la merde, mais c'est un peu la merde, hein. Ah. Silence. Oh, le toutou. Ah, je crois qu'on ferait mieux de le libérer. Alors, pour ce qui se rappelle, dans l'original, on le voyait dès le début du jeu, et là, ils le mettent au chapitre 3. Qu'est-ce qu'il est beau. Fais attention à toi. Alors attends, oui, il met un truc là dans le manoir. Est-ce que c'est l'échelle rétractable? Ouais, non, on avait tout récupéré. Au pire, on reviendra plus tard avec quelqu'un. Peut-être avec Ashley ici, j'en sais rien. Et là, on retourne vers. Vers où? Non, pas par là, si. Et je me demande si la clé de l'insigne, on peut pas l'utiliser là dans la première zone. Pesteta supplémentaire. Y a rien, non.
Ici, je me souviens quand vous reveniez vers le village, il y avait un homme tronçonneuse. Donc au moins, on débloque tout. Là, j'ai gardé ma grenade aveuglante. C'est quoi ça? Poudre noire. Tant pis, hein, j'améliore mon pistolet. Hein. Enfin, fabriquer des mines de pistolet. J'ai pas trop le choix là. Et là, logiquement, je me souviens qu'il y avait un tiroir verrouillé. Oh oh. Oh, mais ils ont fait sauter l'église, des cons. C'est quoi ça? Alors, attends. Waouh. Hein? Lolo, non, 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 tu vas pas te transformer. Ok, on les a eus. Ça l'en déverrouille ce que c'est. Alors, excusez-moi, j'ai une partie de mon siège qui s'est déboîtée. Sur le côté. Alors, ça donne quoi? Ah, un trésor, une boussole ancienne. Tiens, tiens. Ça doit valoir de l'argent, ça. Une boussole ancienne qui a bien resté à l'épreuve du temps. Plutôt pas mal. Attends, je me demande si avec la clé de l'insigne. Je crois, à mon avis, c'est directement pour aller à l'église. Hein. Oh, qu'est-ce qui. J'entends des bruits, ça me plaît moyen, ça. Oh! Pas aller là, là c'est barricadé. Ah, là, décidément. Oh, va falloir aller là-dedans, c'est ça? Alors, si je veux faire du TMP, ça passe, mais si je veux faire du pompe. Ok. On va avancer en douceur. Bon, là, il n'y a rien. Ferraille pesetas. Munition de fusil, ça c'est bien. La pauvre vache, pauvre bête. Et là, logiquement, on est
Pas derrière la tour. Disait bien. Mon couteau est pété en plus, super. Mais je l'ai visé. Merci. 500 pesetas. Bon bah merci pour les bits hein. Je sais même pas quoi ça sert mais bon. Oh. Attends, tu te moques de moi de jouer. Parfait. Une caisse. Qui récupère des balles de pompe, ça fait un petit moment. Non. Bon, écoute. Mon instinct dit que c'est pas le bon plan. On va retourner à la porte de l'insigne. Y a rien, je suppose, là. Non, mais ici, il faudra revenir, hein, ça c'est sûr. Donc là, on a loupé aucun trésor jusque-là. Il y a ça là qu'il faudra les récupérer à la ferme à un moment. Mais je crois pas qu'on ait la bonne clé en fait. On a déjà un tiers des trésors, ceci dit. On va essayer de les choper tous ici. Wow. Merde, foiré. Hyper. Ah merde, j'ai utilisé la vipère, j'aurais pas dû. Bon, tant pis. Mille pesetas. Toi, on va se revoir, j'ai l'impression. Qu'est-ce que c'est que ça? Dors bien et continue de t'épanouir, cher enfant, à mesure que ton cœur se développe. Tes mères te cousent de nouveaux vêtements. Avec 7 quintaux de blé et la moitié d'un taureau par jour, tu es déjà trop grand pour ton parc. Épanouis-toi, cher enfant, pour tes frères et tes sœurs qui n'ont pas eu cette chance. Ok. Ouais, le crâne. Un bleu velours. Quelques balles de pompe en plus, tu dis oui. J'ai de nouveaux articles étrangers. Ah. Marre de manquer de munitions, le lance-carreau va te changer la vie, l'ami. Ces projectiles peuvent être récupérés et réutilisés. De quoi faire de sacrées économies. N'oublie pas non plus d'acheter la formule des carreaux pour transformer en carreaux les couteaux que tu as en trop, avec ça plus de munitions. Et ce n'est pas tout. Attache des mines adhésives, explosifs de proximité au carreau pour transformer l'arme en redoutable lance-mine.
Tire sur un ennemi pour qu'il explose aussitôt. Vise seul une paroi pour poser une mine de proximité. Tu perdras le projectile, mais on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Nouvelle. Alors, on va récupérer tout ça là. N'oublie pas qu'arme à feu rime avec jeu, étranger. Un de mes amis est gravement malade. Avant qu'il ne passe la main à gauche, j'aimerais qu'on le fasse goûter les excellentes vipères qu'on trouve par ici. Rien à voir avec les couleuvres que ces fanatiques veulent nous faire avaler. Y a-t-il un charmeur de serpent pour me prêter main forte? Ok, donc va falloir aussi s'occuper de couleuvres. Génial. Une machine à écrire ici, ok. Alors, copain. Bienvenue. J'ai mis la main sur quelques rats. Je te souhaite bonne chance. Est-ce que je peux t'aider pour autre chose? Alors ça oui, ça oui, ça oui. Le reste, on attend. Tout et n'importe quoi. Merci. Voilà. Une offre spéciale. Pour le lance-carreau. Oh, ça, t'en auras pour ton argent pour acheter cette arme. Il suffit pas d'avoir de l'argent. Ils ont repris le... Comment ça s'appelle? Ils ont repris le dialogue pour le lance-carreau, pour le lance-mine dans Resident Evil 4 classique. À quoi tu tiens le plus? À ton argent ou à la... Voilà, amuse-toi bien voilà. Avec ça. Alors, lui, qu'est-ce qu'on peut faire? Un couteau a besoin qu'on s'en occupe. La vie ne tient parfois qu'à une lame bien aiguisée. Une arme modifiée permet de... Tiens, vois ce que ça donne, l'ami. Quelqu'un comme toi devrait tout de suite remarquer la différence. Est-ce que ce sera tout? Reviens quand tu veux, surtout. On a récupéré des choses, c'est pas mal. Le TMP, on n'en a pas encore besoin. Allez. Balle de fusil en plus, tu dis pas non par contre. Ok. On verra si on le teste, mais pour le moment, c'est pas la priorité. Voilà. Et maintenant, continue notre route. Bon, là, il y a des trésors, on peut pas y aller. Bon, là-bas, il faudra qu'on trouve la bonne clé. Et là, il y a encore des choses plus tard à aller chercher. La fameuse église, mesdames et messieurs. Une église, ça doit être là. Oh, il y a un fossoyeur. $500. Il y a un trésor dans le coin, je l'entends. Petit bon de pistolet. De la ferraille. Ouf, alors je sais pas comment ça se fait que j'ai eu un bug. Bon.
J'avais pourvu, franchement. Ça va, il y a des vampires maintenant en Espagne, je savais pas. Bon, au moins on en a eu deux. Notre émeraude. Ah, attends, je crois qu'il y avait une quête là. Deux. Trois. Il y avait une quête ici. Ok. Merde. Condor 1 à Perchoir. L'église est fermée. Et Eglon ? Négatif. Toujours rien. Mais l'endroit est aussi verrouillé qu'une prison. Je vois. S'ils font ça, il y a forcément une raison. Oh, elle est là. Il n'y a pas de doute. Je vais chercher un moyen d'entrer. Condor 1, terminé. Une chose est sûre. Attends, c'est quoi ça? Oh, une bague. Bon, écoute. Il faut qu'on trouve des vipères maintenant. Ok, qu'est-ce que c'est? Pas tout d'âge, les gardes l'enfermer dans l'église jusqu'à l'heure prévue. Bon, elle est là. Là, c'est un coffre. Un nuisible de l'extérieur est venu pour la fille, enfermez-la dans l'église et attendez les ordres de notre Seigneur jusqu'à là. Gardez l'entrée de l'église fermée. La clé sera conservée dans la grotte de l'autre côté du. Le monstre se chargera de cet intrus imprudent. Le lac. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres surprises. Alors. Il y a une requête là. Ces jumeaux de malheur qui nous ont trahis en faisant ce que quelqu'un peut détruire les emblèmes gravés sur des pierres tombales. Une broche à chevalet grande, ça c'est bien. De la ferraille. Alors on va retourner sur les tombes. On va tout détruire pour être sûr. Sont toutes détruites hein, normalement. Alors je vois pas c'est quoi. Alors là c'est détruit, là c'est ah bah parfait. Profanation complétée, d'accord. Bah il y en avait plus qu'un en fait. J'ai rasé tout alors qu'il fallait pas.
Ok, donc c'est pas par là cette fois. Donc là, il n'y a rien. Donc là, ça fait qu'on a déjà fait 3 requêtes sur les 4. Il nous faudra trouver des vipères par contre. On va passer par en dessous. Eh ben, tu sais quoi pour plus tard? Parfait, comme ça on pourra passer. C'est quoi ça? Lago, le lac, ok. Oula! Monotov, d'accord. Moi, je peux faire ça aussi, tu sais. Vipère, plus que deux à trouver. On se détend. Pour moi, le trésor est en hauteur. Trésor là. C'est quoi? Waouh, aïe, 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 ça brûle. Ok. Ouais, bah oui, il y en a encore combien là des cocktails? Ah oui, ça c'est bien. Ouais, par contre, je lui tire dessus. Hein. Je lui tire dessus deux fois, mais bon, bref. Ok. Oh là. Voilà, merci. Il me dit qu'il y a un trésor là. Il est où? Ok, il est là. Donc je vais aller le chercher après. Je vais trouver l'autre trésor qui est dans le coin. Ah
Mais le système de visée des fois ouais. Non, on va garder ça. Ouais. Une chose est sûre, il est preuve. Parfait, comme ça on se refait un stock de balles là. C'était un petit peu urgent. Donc c'est pas ici, ok. Ouais, on va arriver à la fameuse partie aquatique, ok. Bon, j'en vérifie que j'ai rien oublié, on sait jamais, mais normalement non. Le traiteur doit être plus bas alors. Il n'y a rien. Encore une requête ici. Hein. Hop, pas mal. Eh ben, on va trouver quelqu'un capable de soulever ça. Oh, on va trouver, t'en fais pas. Alors, c'est quoi ça? Destruction de médaillons. Quelqu'un pour détruire la zone de ces médaillons bleus. La zone est polluée par leur présence, c'est insupportable. Ok. Alors par contre, j'ai envie de tenter un truc. Est-ce que c'est le coin que je crois? Oui. El Famoso. Les mirelles, c'est quoi le succès? Vite. Eh ben écoute, on va se faire de l'argent. Les mirettes, c'est vaincre trois ennemis d'un coup avec les grenades. Et ce qui est rigolo, c'est que le logo du succès, c'est trois corbeaux. Bon. Il y a un trésor là-haut. Quitte un rubis. Ah, premier médaillon.
1 sur 5. Et j'ai loupé des balles de pistolet derrière moi. Parfait. J'aime pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est, mais je n'aime pas ça du tout. De la ferraille encore. Bon, ceci dit, on a quelques grenades. Non, c'est pas cette clé en tout cas. Là, il n'y a rien. Encore un peu d'argent balance. On est pas mal niveau pognon, tu me diras. Et le marchand est pas loin. Ah. Tu t'es occupé d'une requête, n'est-ce pas? Astuce du marchand, cashback. Au lieu de laisser tes armes utilisées prendre la poussière, pourquoi ne pas les vendre et profiter de cet argent pour améliorer les armes que tu utilises vraiment? Lorsque tu vends une arme et que tu as amélioré, tu récupères quasiment tout l'argent que tu as investi dedans. Ne cherche pas d'astérisques ou de petites lignes cachées, il n'y en a pas. Ça se voit sur ton visage. Il y a assez d'armes ici pour former une guérilla. Tu m'étonnes. Lance-roquette, fusil à lunettes, fusil à pompe. Bon, attends, j'explorerai un petit peu. Ah, c'est quoi ça? Ouh, une pièce hexagonale. Tiens, tiens. Oh, attends, il y a une échelle là. Alors, déjà, avant de faire mes conneries. Ah, bien joué. T'as prouvé que t'étais digne de confiance. En quoi puis-je t'être utile? Je vais prendre le diamant jaune tout de suite. Comme ça, je vais tout de suite compléter mon masque. Voilà, 24 700, je prends. Bien quand tu veux. Bien. Et là, on va revendre la broche, la bague, le bleu velours, le masque élégant. La vipère, on va la garder, on va en avoir besoin. Ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Donc là, on a 40 000. Hein. Merci. TMP, c'est nouveau. On va l'embarquer. À quoi tu tiens? Oh, tu vas tous les transformer en passoires avec une arme pareille. Tu sais, j'ai pas toujours ça en stock, étranger. Bon, le TMP, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une arme modifiée permet de compenser un manque de compétences, l'ami. Le Skull Crusher, on pourrait améliorer. Tes armes sont entre de bonnes mains. Tu peux me faire confiance. Et voilà, comme tu l'as demandé. Ça t'épate, hein? Voilà, parfait. Notre savoir-faire ne laisse personne indifférent. Est-ce que je te fais bonne route? Bienvenue. Donc là, on a fait combien de requêtes, là, déjà? Je regarde un petit peu. On en a fait... Sur les 5 qu'on a vus jusqu'à présent, on a réussi à en faire 3. Bien. Ah, attends, je dois vendre des vipères, c'est vrai. Je vais commencer à la vendre alors. J'achète tout et n'importe quoi. Je savais que je pouvais. Reviens quand tu veux, surtout. Il y a un ascenseur, on va y aller. Ah. Bienvenue, étranger. Si je ne m'abuse, c'est la première fois que tu visites notre
Alors, règle du centre de tir. Détruis les pirates et vise le meilleur score. Les armes et les munitions sont illimitées. Et pour rien de gâcher, c'est gratuit. En fonction de ton score, tu obtiendras des jetons qui te permettront de remporter de magnifiques lots. Insère tes jetons dans une machine à jetons pour obtenir des porte-bonheur. Ces machines sont remplies de trésors que l'on trouve nulle part ailleurs. Tu peux détruire plusieurs cibles d'un coup en tirant sur un bâton de dynamite. Attention, si tu tires sur un marin, des points de pénalité seront déduits sur ton corps. Ok. Truc et astuce. Certaines cibles nécessitent plusieurs tirs pour être détruites. Tire autant de fois qu'il le faudra pour venir à bout. Lorsque certaines conditions sont réunies, des épreuves, des cibles bonus peuvent apparaître. Les conditions varient d'une épreuve à une autre. Il n'y a qu'une seule règle à retenir. Tire sur les cibles qui apparaissent. On peut pas faire plus. Bon. Si tu fais un bon score, je récompenserai tes efforts avec des trucs et des machins. Bref, amuse-toi bien. Bon, bah, let's go, hein. Une carabine te permet d'éliminer plusieurs cibles d'un seul coup. En revanche, 3, 2, allez. 1, allez! Remarquable. Voilà, c'est ça. Merde, j'ai loupé le truc, tant pis. Attends sur lui. Là, toi. C'est le moment de te faire plaisir. Olé! Oh, magnifique! Et c'est fini. Wow. Pas mal pour une première. Succès déverrouillé, tir au pirate, c'est quoi? Terminer les points du stand de tir. Bon, ok. Je n'en reviens pas. Excellent travail. Bah, écoute, tu sais quoi? Tu t'en vas déjà? Ah, le devoir se fait, c'est ça. Qu'est-ce que... Alors, c'est une boule. Fréquence de création de munitions de pistolet. Soldat au marteau, plus 20. Alors attends, où est-ce qu'il est mon truc? Putain, je suis bigleux, il est où? Allez, on va retenter une séance de tir là. Les cibles disparaissent au bout d'un moment, hein. Ne laisse pas le menu frottin te détourner. 3, 2, 1, allez! Superbe tir! Ok, monsieur me fait. Ok, il me fait des cases, d'accord. Ok, il y avait un bonus là. Ah, il y en a. Okay.
Oh, j'ai eu un coup double là. C'était pas mal. Bon. On continue, on va essayer de faire le plus de trucs possible. Certains diront que c'est du secondaire, mais je me dis que ça peut être utile. Ok. Maria, fréquence de munitions. De création de munitions magnum 15%. Par contre, ils sont où mes trucs là? Bon, écoute. On va terminer, on va faire tout le 1. Wow. Merde. Ah merde. Ok. Peut-être dû le faire au fusil. Alors, ça donne quoi? Ah, ok. On va recommencer, on va essayer de faire le S aussi. Fait mieux, un petit peu mieux. Ah. Dommage. Là j'ai fait pire. Bon. Je vais tenter de refaire, allez, une dernière fois, sinon tant pis, je passerai à autre chose et je le referai plus tard. Ah, ok. Merde, raté, tant pis.
Ok. Ok. On a fait au mieux. Bon, c'est chaud quand même, hein, celui-là. B. Pas grave, on reviendra. Mais c'est cool, hein, j'aime bien le stand de tir perso. Ah, la pause est finie, je suppose. Bienvenue. En quoi puis-je t'être utile? Trésor ou babiole, ça n'a pas d'importance. Le prix, par contre, c'est nous qui le décidons. Allez, on va quoi. Bienvenue. Merde, je suis bourré. La prochaine fois, achète quelque chose. Ah, je l'entends. Je crois savoir où il est. J'entends un bruit. Est-ce que c'est ce que je pense? Putain, faut le voir. Troisième châtelain mécanique. Ok. Bien. Ici, c'est fait. J'essaie de revenir plus tard. Je pense qu'on peut revenir. Il me semble qu'on revient à un moment. Ah, attends, il y a par là, il y a un autre truc là. Ok. C'est quoi cette horreur? C'était quoi? On dirait qu'il y a quelque chose là-bas. Ok. Putain, c'est énorme. Ah ça. Attends, il y a un truc là-bas où j'ai rêvé. Bon. Là. Ah bah attends, ça ressemble pas à la pièce qu'on a mis. Ok, il nous en manque de toute façon. Un couteau en plus. Touche de pompe. Ok, alors, est-ce qu'il y a de l'essence ici? Non, il n'y a plus d'essence. Il y a de l'essence, mais je pense pas ici, mais ailleurs.
Ok, alors. T'as eu de la ferraille à un moment qu'on a zappé. Parfait. Alors, moi j'ai un petit problème là. Pourquoi je peux pas mettre mes. Comment il s'appelle? Mes trucs de que j'ai gagné là, que j'ai confectionné. Une petite figurine. Là. Normalement, je pourrais mettre plusieurs sur la mallette de ce que je vois. Alors, attends, déjà ça. Parfait. Bon, bref. On trouvera ça plus tard comme la solution. Mais bon, là, il me faut de l'essence par contre. Attends, 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 une seconde. On va trouver, hein. Ah, il y a un passage là dans le point. Pourquoi ça? Carburant pour mettre, nous avons rangé le carburant avec celui du groupe électrogène dans le bâtiment de traitement de la ferme piscicole. N'emportez que la quantité que vous avez besoin. Mission de mitraillette, ça c'est pour le TMP. Le début des emmerdes. Merde, c'est pas ma journée. Oh là là, ok. Salut toi. Putain. Alors.
qu'il y ait des médaillons bleus ici. Et de deux. Une grenade. Oh attends, c'est une vipère ça. Hop, deuxième vipère, on va la conserver. Donc on va peut-être en trouver une troisième et... Vu que c'est une ferme... Wow, wow. Attends, wait a second. Tu vois, je peux remonter comme ça ou pas? Ah, ok, je le vois. Bien joué. Là, c'est pas par là. Alors, logiquement, si on fait le tour, il y a un truc là. Waouh! Ah merde! Les balles dans la tête à un moment, c'est censé se tout. Joli. Mais c'est pour rien. Hein. Bon, c'est pas mal. Ah, il était là le trésor, j'avais pas vu. Ancienne, tiens, tiens. Ah ok, ici il y a quelque chose, on dirait. Alors attends que je sais pas de conneries, c'est par où? C'est par là, ok. Ça, c'était à deux doigts de la connerie, ça. Allez, plus de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait encore faire?
Pas mal du tout comme ça. Maintenant, je vais vite chercher les derniers médaillons. Et normalement, il n'y a plus de trésor dans le coin, non? Waouh! Ça, ça fait mal, monsieur. Troisième vipère, ça c'est fait. Encore une requête d'accompli pour le marchand. Je crois que j'en ai plus. Il y a un médaillon de l'autre côté, c'est ça? Hop. Il y a un tonneau, il y a des tonneaux dans le coin. Il y a forcément un endroit où tu peux accéder. Alors je traîne un peu, je sais, mais je sais qu'il y a forcément moyen de monter là-haut. Déjà, troisième médaillon. Donc ce qui fait qu'on en a oublié un quelque part dans la carrière. Bon, on ira le rechercher. Par ici. Une autre pièce hexagonale qu'on avait loupée en plus. C'est pas grave, on le retrouvera de toute façon. Déjà, on va récupérer une matos là-haut qu'on a vu. Alors ça. Oh, merde, non, 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 non. Oh, misclic. Attends, j'ai mon TMP, hein. Parfait, comme ça, là, le TMP, on l'équipe. Chercher ça. Alors attention, on ne saute pas là. Wow. Parfait. Puedes correr.
Désolé, rien de personnel, mais là il fallait juste vous calmer. Encore de la poudre. Un œuf. Ça, ça devrait me servir. Là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Putain. Un jeton d'argent supplémentaire. Je pense que le bon chemin du retour va être compliqué. Logiquement, on va passer comme ça. Bon, maintenant il faut juste que je me barre de là. Alors. Oh, il y a un tonneau. D'argent en plus. Alors là, il y a un trésor apparemment. Alors, où t'es? Il me semble qu'il faut une clé pour toi. Ah, j'ai passé à côté de 1000 pesetas, hein. Ça coûte, c'est une fortune, messieurs, dames. Hein. C'est ici, il faudrait que je ramène une autre pièce encore. Donc ça fait 5, il nous en manque encore une à trouver. Putain. Eh. Eh. Deuxième destruction de médaillon complète. Et maintenant, je crois savoir ce qui nous attend ici. Allez, bon, bah, il va falloir y aller. Hein. Bon, on est déjà à 6 succès sur le jeu, hein, je rappelle. Oula. On commence bien. Bateau de ses morts. Wow.
Oh, 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 oh. C'est donc ça la créature du lac. Oula, ça, ça pue. L'arbre. 4. 5. On lui en a mis 5, hein. Wow, wow, wow. Ok, super. 6. Wow, wow, wow. Attention, on va essayer d'anticiper son déplacement. Wow, wow, wow. Il va venir là. Allez, on continue d'en mettre la sauce là. On en a mis 9. Wow, 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 attention. Attention. On en a mis 10. On la mange bien. On en a mis. Waouh, waouh. Bien joué. On va le tomber, il y a le lago. Allez, il bouge beaucoup, c'est ça le problème. Waouh, waouh, waouh. Il est où, monsieur Del Lago? Ah. Ah, t'es là, toi. T'encaisses, mon pote. On t'en a une bonne quinzaine. Wow. On s'arrête. Pour l'instant, notre navire est toujours intact. Allez. Wow. Il bondit maintenant, c'est nouveau. D'accord. Attention. Ah, dommage. C'était pas un succès, heureusement. Waouh. Ok. De harpons que je lui ai mis dans la tête. Ah bah enfin. Bon, baignade interdite. Qu'est-ce que tu nous fais?
Bon, bah, le chapitre est terminé, on a affronté la créature du lac qui s'appelait pas mal tel lago, un truc comme ça. Elle était costaud hein, par rapport à la version originale, c'était... Mais bon, on l'a eu, on n'est pas mort. La rocher de l'intérieur, il y a un chapitre 3, vaincre 5 ennemis avec des grenades d'afflux baignade interdite, vaincre tel lago. Là, les mirettes, c'est le grenade, tir au pirate, donne le rang S dans une épreuve de tir. On a mis une heure, bon, on a plus de temps que prévu, hein. Bon, bref, mais on a réussi à le faire. 43 ennemis tués, précision 77, attaque subie 13, on n'est toujours pas mort, ça, ça fait plaisir. Donc voilà, j'espère que ce chapitre 3 vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure Resident Evil 4 Remake. Ciao, ciao, prenez soin de vous.